Salut, bienvenue pour cette courte vidéo. C'est Frédéric Ostruy, alchimiste contemporain. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager un petit peu les cycles et les mouvements. En fait, des fois, tu vois, tu es en phase de saturation par rapport à quelque chose que tu as l'habitude de faire. Je ne sais pas si tu as l'habitude de faire des trucs répétitifs dans ton business. Si tu es entrepreneur et que tu t'es imposé certaines choses à faire, comme des publications tous les jours ou des choses comme ça. Eh bien, il peut y avoir des moments où tu satures, il peut y avoir des moments dans la vie où tu ne sais pas pourquoi ça bloque. En fait, à partir du moment où tu vas accepter que tout est comme les vagues là qu'on voit, donc up and down, et où tu vas accepter que quand tu es dans le down, de toute manière tu vas remonter, ça fait partie aussi de l'évolution. L'évolution, elle passe par une involution et ensuite une évolution. Eh bien là, ça va te permettre en fait de plonger vraiment dans ce qui a besoin d'être vu, d'être réglé, et donc de le transmuter pour ensuite repartir sur une nouvelle dynamique. Très souvent, alors là je pense beaucoup au business, quand on est comme ça dans une phase de down, quand c'est dans une phase de saturation, c'est qu'il y a quelque chose à reparamétrer, quelque chose à réaligner ou à changer. Donc un truc qui pouvait hyper bien marcher avant et qui peut peut-être marcher encore aujourd'hui, mais qui te prend beaucoup d'énergie, eh bien, pour ma part, je pense que c'est quelque chose qui est désuète, parce que si tu es entrepreneur, tu dois t'éclater en fait dans ce que tu fais. Bien sûr, il y a des choses qui sont toujours un peu plus embêtantes que d'autres, mais si tu partages aux gens avec une énergie de... Le mot qui vient, c'est souffrance, mais c'est pas très juste, mais avec une énergie down, eh bien, tu vas transmettre ça. Donc, accepte simplement les cycles, sache que c'est des séries hein, qui passent comme à l'océan, et puis de toute manière, le moment de dynamisme et les nouvelles idées vont arriver à nouveau. Je te fais des bisous, et puis je pense à liker, à t'abonner, à partager. Tu as tous les liens vers les programmes juste en dessous, et je te dis à très bientôt, bisous.